Zami fami anwe la kay, ki sa ki pase le la vie moun pedi vale? Le grand moun anje ki te bati société pedi la vie yo en bas kout manchette ap kout koutou. Nan weekend ki sot pase la, plus pase 180 moun pedi la vie yo nan masak nan Cité Soleil. Cause, yon chef de gang kap cherche justice pou pitit li ki mouri. Mwen trouve sa sans sens massacre qui s'est passé. Dans l'épisode ça, nous pral détailler tragédie ça. Réponse gouvernement à qui ça ça veut dire pour peuple haïtien. Vendredi à samedi, un massacre fait plus passé 180 moun perdit la vie dans Cité Soleil. D'après RNDDH, d'après journal Al Jazeera, d'après un rapport Nations Unies mette de yo Human Rights dans Nations Unies, tout ça d'après rapport yo te commencé les Monel Mikanor Félix, yon chef de gang nan Wav Jérémy qui fait partie de Vivre Ensemble, t'ap cherché yon réponse pour maladie petite li ki mouri. Gen yon bokor, yon ougan ta akize kek grand moun agé nan zon nan ki ta fait magie ki touye petite li. Eh bien, témoin yo fait konnen monsieur débarqué nan la rien, yo touye tout moun yo. Eh bien, selon rapport yo zanmi fami nou yo, majorité moun ki yo tuye c'est grand moun agé. Majorité victime yo c'est moun ki sans défense, c'est moun ki sans âme. Mais zak sa, c'est pas première fois que le passé en Haïti, c'est première fois ça, c'est pas première fois que li rive Haïti. Nous rappelons nou massacre récemment là dans Ponsonde, 3 octobre, 150 moun perdit la vie yo. Base gang griffe 2018, plus passé 71 en civil mouri dans massacre La Saline. Premier ministre là, Didier Fizeme réagit gouvernement déploré zak violence sa ki fait nan et Cité Soleil. Qui ça que gouvernement la fait? Eh bien gouvernement haïtien en fait konnen li pral mobiliser toute force li pour démanteler groupe armé yo. Premier ministre Alix Didier Fizeme déclaré attaque ça c'est une attaque contre l'humanité ak l'ordre républicain yo. Li promet yon réponse solide pour joindre au thème massacre yo ak mené yo devant la justice. C'est comme quoi que Premier ministre Didier Fizeme par contre côté que nèg vivent ensemble yo localisé toute ressource dans l'état a metté ensemble pour écraser réseau yo. Déclaration Premier ministre dans amis famille yo. Mais est-ce que réponse ça li à ces amis famille yo? D'après un pile analyse gouvernement a lutté contre une crise qui pire passé li. Sitôt les gain division politique dans mitan monsieur yo qui vient rendre tâche plus difficile pour yo agir avec force et efficacité. De l'autre côté, nous gagné Volker Türk qui c'est responsable Human Rights ou bien droits humains dans Nations Unies qui rapporté bilan qui pire. Situation en vient plus grave. Volker Türk a déclaré plus passé 5000 monde perdu la vie dans année 2024 là seulement. Yanni a beaucoup fini. Plus passé 700 000 personnes obligés pour quitter la caillou. Pendant que le gouvernement promet justice, le peuple a demandé action. Je dis qu'il y a plusieurs militants politiques qui débarquaient devant Primati. T'as bloqué Primati, t'as bloqué Alix Didier Fizeme pour dire Alix Didier Fizeme pour prendre position solide contre la violence. Et puis on dit camper sur la question des politiques, 6 amis que l'affaire. Il y a des batailles pour jeter Gary Koney. Il y a des batailles pour régler rien sérieux. Vous pensez que le nouveau gouvernement ça va le faire un autre bagaille? Eh bien, vous demandez pour monsieur, agir, zami famille nous, que nous pas l'inviter ou tendez déclaration monsieur. Mais nous fatigué avec parole ça yo. Si gouvernement pas qu'a fait rien, nous même peuple obligé pour ça fait nous en main. Il y a bien espérance qui c'est directeur RNDDH qui fait une grosse déclaration. Et déclaration ça met des gros débats dans la société. Pierre Espérance, n'a pas rappelé nous qui était campé en face en commissaire Muscadin. Muscadin, l'aile prend bandit, il exécute parce que l'idée n'est pas ou doit agir dans hauteur Zakio. N'est pas qu'à mettre en prison. Tout c'est tout voyé dans le cimetière. Et bien, Pierre Espérance, avec un paquet de l'autre organisation de l'homme dans le pays, a écrit lettre à ministre de la Justice pour te révoquer le commissaire Muscadin. Le commissaire Muscadin a mis l'ordre, a géré. Réjuridiction là, eh bien, nous voyons que Pierre Espérance a rejoint la déclaration que le commissaire Muscadet a fait. Dans le mandat peuple, nous prenons manchette, défendre tête, mettez ensemble avec la police, depuis nous prenons bandit, c'est éliminé. Nous rappelons Pierre Espérance
t'es parti de commissaire Muscadet pour un zo poisson que l'était tué. Il te dit monsieur était innocent. Et bien Pierre Espérance rejoint commissaire Muscadet. Moi l'invite autant de déclarations ça ensemble avec moi. Pas moi qui dit, c'est Pierre Espérance. Tout d'abord, nous présenter sympathie non by population qui est victime de massacre de embarment terroriste ça yo gang ça yo qui regroupé yo dans une association qui est vivre ensemble. Les actes qui a fait dans le pays, c'est des actes terroristes. Et nous encourager la population pour nous faire un mariage avec la police là, pour continuer à défendre Dieu. Ça veut dire que nous sommes dans le quartier et filer machette non. Et depuis que nous entrons la caille, nous venons dans l'intimité, couper tête. Et légitime défense, son droit qui est sacré. Autodéfense, son droit qui est sacré. Continuer à défendre tête. Et la population, nous identifier des zones qui ont des bandits. Côté au caché, relayer la police pour la police à le démanteler. Et nous féliciter la population avec la police, ça qui est arrivé jour mardi 19 novembre 2024. Côté pour petit 96 bandits mourir dans la zone métropolitaine. Légitime défense à Liban, faut nous continuer à faire. Chaque fois qu'un bandit a tiré sur la population, tiré sur la police tout est, c'est la vie 5 à 10 monde qui nous sauve. Chaque bandit a fait la PIA, c'est des actes terroristes, c'est révoltant. Faut que la population fasse celle avec la police là pour combattre. Trop sans couler. Nous pas capable encore nous bouquer. On nous garde ça qui passe dans le week-end là. Sorti vendredi 6 pour IVS. Et samedi 7 décembre 2024, et dans la zone où Jérémy, Cité Soleil, et chef terroriste, zone ça qui s'est mis canon, pour Pipiti, il tue 110 personnes. Nous n'avons pas capable. Mon? Nous bouquet. Pierre Espérance. Oui. Oui, combien mon nous dit? Et 110. Et est-ce qu'on a aidé me faire interview à voir ma répéter dans la zone moi, qui fait que je ne peux pas aller vite? C'est égal à ça. Ok, nous avons baissé, vous attendez chiffre au bailant là, parce que son information capable. Non, c'est 110, moi, 110, 110. Pour PPT, Mikanote, chef théoriste Mikanote, qui est dans la zone où Jérémy Cité Soleil, sorti samedi 6, dimanche. Non, samedi vendredi 6, samedi 7 décembre, il est tué et pour PPT 110 dans la zone où Jérémy. Exactement. Et monde ça, c'est des grands monde qui âgés, puis passé 60 ans. C'est petite ligne qui malade, l'alcaï on gang, et puis il dit que c'est on gang dit c'est grand monde dans la campagne et petite li. Si nous avons vu nous samedi 7, dit déjà vendredi il tue plus passé 60 monde, et puis et alors mon tue vendredi il tue avec balle, et puis samedi c'est avec machette avec couteau de racheur. Ça veut dire c'est son désolé, mais moi on connaît comme média qui est traditionnel, donc nous même si nous pas vérifions information, nous pas bailler matin, nous pas parler de non, ça c'est information RNDDH. Oui, oui, non, c'est ça, Mabdou. Donc, moi, bien content que vous partagez ça avec nous. Ça veut dire 110 personnes mourir et vous confirmez que petit monsieur qui soit 10 ans et que vous dites le gars ou tap mangé, donc il est mort également lui-même. Et oui, si vous avez mouru dans samedi 7, mais déjà dans vendredi 6, il y a plus de 60 personnes avec balle. Et grand monde tué, c'est des grands monde qui ont plus de 60 ans. Et puis, juste samedi 7 là, il fait avec équipe, il fait racheter mon lieu avec manchette et tout. Mais ça, ce sont véritables massacres, ça. Ce sont massacres que chef Théouissa, Mikanor, fait et sous population dans le roi Jémy, Cité Soleil. Est-ce qu'on a aidé à l'intérieur? Parce que vous m'avez répété. Ça qui passe là, ok, bon, essayez on l'autre technique pour nous. On allait là. Ok, est-ce qu'on t'entend là très bien? Dando. Ok, on allait là. Est-ce que sont répétés? Là, honnête. Ok, bon, ok. Très bien. Oui, non, merci. Merci. Puis, me dévoilement dire que selon information que RNDDH. Qui est-ce qu'on parle à Gounia? C'est Ronald, des hommes. Ah, Ronald, ok, Ronald, les hommes, allez. Me dévoilement dire où est-ce que selon information que RNDDH a disposé, est-ce que gang ça continue à massacrer et population et toujours? Non. Nous avons eu information jusqu'à hier, nous avons eu deux personnes qui mourent encore, mais pour hier soir avec Mathieu, nous n'avons pas eu information. Mais le massacre a fait vendredi 6 pour arriver samedi 7 décembre 2024. Très bien.
et maintenant on retourne sur mais ça théorie a fait en dans pays là c'est ça fait nous encourager maria et police avec population et pour défendre tête nous défendre dignité nous les bandits population les bandits a pas entré là car la partie intimité non entrer dans intimité nous filer machette tout ça reprend c'est pas yo et les la police a depuis bandits tirer sur nous tout yo les nous neutraliser maîtriser et mettre en prison Il y a trop de sang coulé en dans pays, nous pas capable encore nous bouquer. Maria et police avec population pour continuer pour nous capable et combattre terroriste en dans pays, il fait trop nous bouquer. Donc est-ce que ça veut dire que Pierre Espérance là mouvement qui les bois caléen et au supporter là au la main? Non, on va parler des bois caléen non, m'a parlé de légitime défense, autodéfense. Moi dit et Bandi pas capable de décider pour la retirer la vie moun. Ça veut dire ou gen kayou, yo vini yo boulel, y'a pas entré la kayou et pour vous croiser pour tout, c'est pour filer manchette pour faire brigade et vigilance, vous prenez c'est pas yo. Moi dit, depuis bandi a tiré sur la police, c'est pour la police a touye yo. La police a neutralisé ou détruisé, c'est pour remettre la justice et pour y'a veillé. Et commissaire gouvernement, si petit ou bien j'ai libéré ou pris l'argent dans la main, laissez nous mettre arrêté yo avec population pour y aller en place dans la prison. Là, et c'est. On va parler là où dit non bouquet et il y a qui a dit c'est semblé Pierre Espérance bouquet effectivement parce que oui moi bouquet guerrier depuis janvier 2024 c'est psychologue oui nous mettait à la disposition équipe RNDDH parce qu'on pas capable mon cabine ça la pressé voir et on nous pral ouais dans des zones côté regrouper au monde qui quitter caillou soit dans l'église ou dans l'école ou bien ça qui vient dans bureau nous côté que on jeune des monde des femmes qui raconte aux jeunes filles et 10 nèg passé sous yo et ouais les gens tuer famille yo etc. Nous pas capable nous révolter nous pas capable nous bouquer et donc père pas capable à continuer dans et dans notre tête non c'est dans tête bandi ou qui en tête terroriste et ils ont fait trop donc ils ont fait trop c'est pour tuer yo c'est pour mourir on prend c'est pour si yo gen des choix déposer zame yo pour rendre tête nous parle en tête nous bay la police bay population en de ça nous prend c'est pas nous pas capable chaque fois population kembe un bandit qui vient entrer la caille pour tuer lui dit tuer bandit ça c'est la vie 5 à 10 monde qu'elle sauver chaque fois bandit dans échange de tir avec la police et que police a tué bandit yo et mais c'est la vie 5 à 10 monde que yo sauver donc bandi yo nous pas capable quitter nous pas capable gon pays côté que nous vit pas nous pour on a décidé survie nous pour on a décidé entrer la caille nous genre voulez pour faire ça voulez défendre tête non gen machette dans pays a défendre tête non défendre quartier non défendre tête non défendre quartier non si c'est pas courir pour bandi et moi remarqué moi noté Pierre dans intervention parlant et appel ou fait sans remarquer moi remarquer que vous fait appel à la population hein? Moi remarquer oui. Que et ou mandé de collaborer avec la police et ou bouquet population bouquet mais moi remarquer que vous pas fait appel ou pas fait appel ou pas bouquet même ou moi remarquer Pierre Espérance que vous pas fait appel à des décideurs par contre si c'est voulu ou bien si c'est parce qu'on pas croire que gon bagay que yo ka fait tout pour que yo aide à ce que situation li améliorer bon décider yo autorité yo pas vivre sécurité famille yo pas vivre situation et ou capable garder et là la il y a mettre là et l'on autorité un directeur général un ministre un membre CPT et quantité sécurité qui avec yo quantité backup qui avec yo quantité sirène qui gagne dans l'arrière et moun sa qui avec yo yo pas généralement pas prend policier et administratif non yo prend policier qui dans unité spécialisée yo donc insécurité qui n'a vivant dans pays ya c'est policier yo avec population c'est moun yo c'est population c'est pas l'homme dit population et toute couche en population qui c'est masse là et c'est classe moyenne qui pas exister jeune jodi a et que c'est secteur privé a et moi sûr que grand pile dans nous là et Patrick et c'est des côtés il y a aménagé pour nous retirer bon ça va déranger Patrick parce que Patrick est moyen pour ça ouais et mais
C'est comme ça, c'est dans toute couche de la société, à tout le monde, il y a pour quitter caillou, zonio, par ban avec paquet. Ouais, et nous pas droit à continuer à quitter caillou, à zonio. C'est pour nous organiser, nous filer manchette, nous. Les bandits à battre sous nous et venir pour attaquer nous, ça, on prend ces paillou. Et donc, insécurité qui n'a pas vu aujourd'hui, eh bien, ils vont préoccupation. Décider en New York pas sentir qu'ils sont concernés par la question d'insécurité. Ils ne sont pas concernés, ça va déranger eux. Si ils étaient concernés, ils ont mis des moyens et à la disposition de la police. Donc, il y a des policiers qui voulaient travailler, qui voulaient protéger la population. Malheureusement, ils n'ont pas mis en condition pour le travail. Les autorités en le pays ont fait commande pour la police. Ça a fait, ils ont toujours cherché des équipements qui pas appropriés parce que il faut qu'ils fassent couta, il faut qu'ils fassent ristoun sur eux. Ouais, et c'est ça que font ouais et policiers ou pas des bons moyens, pas des équipements pour faire travail. Par exemple, et tout à autorité Abdou, oui, et Napton et moyens n'amènent et les États-Unis. Mais mes amis, regardez chaque membre conseil présidentiel là, chaque membre CPT, chaque membre. Yo gagne nan meyo entre 62 000 à 63 000 dollars américains qui viennent nan meyo chaque mois dans poche comme salaire. OK? Et puis, on y est là. Et yo, alors, ça, l'agent renseignement la donne tout. Et l'État haïtien, gen kop pour acheter équipement avec matériel pour la police. 63 000 dollars américains, vous dites, Pierre Espérance? Oui. 60 à 63 000 dollars américains. Parce qu'on est là pour chaque village. Pour chaque oui. Ah bon? Bon exemple? Oui, bon exemple. En aller. L'agent renseignement seulement, il y a chaque 5 millions de gouttes chaque mois. Prends les 5 millions de gouttes là, convertis dans dollars américains, on va prendre combien de gouttes il faut. Et quand on gagne des chèques, quand on peut compter passer moins, et si on prend à 134 gouttes pour un dollar, regardez combien il faut. Et environ 400, plus passer 400 000 gouttes pour deuxième résidence. Et puis, sans compter toute nature. Vous comprenez? Si nous voulons abattre notre jour, donc chaque membre CPT gagne entre 70 à 63 000 dollars qui viennent chaque mois comme salaire. Et on va parler de sécurité dans salaire. Et on y est là. Et si le gouvernement, le premier ministre, avec tous les membres CPT, et tous les têtes ensemble, ils ont décidé de police et moyens, ils ont cherché équipement, ils ont cherché et blindé, ils ont cherché équipement blindé, ils ont lâché au Brésil. Et combien de temps ça prend pour un avion militaire blindé, Brésil, l'univers et équipement là. Non, ça n'a pas intéressé. Yo. C'est ça que fait. Alors, question, c'est pour qui ça me fait appel à la population avec la police? Parce que oui, c'est appel là, c'est à nous-mêmes pour me faire la population, à la police, parce que c'est nous-mêmes qui vivons l'insécurité à chaque jour, c'est pas autorité. Autorité ou pas dans l'insécurité. Et y a pas pour être concerné par la situation population. Donc, c'est ça que fait me faire appel avec la population, nous encourager le mariage ça. Entre police avec population, en mariage ça, et c'est pour continuer fait, et la belle empile, et n'a libéré le pays de terroristes. Ils ont fait trop. Placé, c'est dans prison ou bien cimetière. Il y a des gens forcément qui disent que mariage police-population, oui, il y a un certain résultat, mais le pape n'a pas adressé le problème, non, puisque nous connaissons que gang n'a gagné à la fois composante li qui composante qui a manifesté, qui souterrain, et puis il y a une origine li tout. Et par exemple, population pape n'a pas arrivé sur origine du problème, non, Pierre Espérance. La présoud, on commence à marcher à gang sous gang à sa patte, et puis pour gang à cause si nous prenons, mais aussi nous pas prendre, on va marcher sous eux. La présoud, c'est voir peuple là, c'est tout bagaille. Depuis peuple souverain et décidé, mais pas grand rien qui est possible. Depuis peuple a frappé pied li, eh bien, gang à cravate qui n'a pas parlé là, à cause si nous, il prend mais si vous ne prenez pas main, vous n'êtes pas obligé de courir. Mais il faut que le peuple ne connaisse pas dans la cravate. Nous connaissons. Vous qui parlez avec moi, quand vous faites interview, vous connaissez. Je connais. Si vous ne connaissez pas, je connais. Ça, vous ne connaissez pas. Sa population connaît, vous ne connaissez pas. Il y a un problème de l'autre. Mariage, nous-mêmes.
tout le monde qui a souffert des terroristes à dans le pays, mais depuis nous mettons nous ensemble, nous avons marché sous gang à sapate, gang à cravate, gang à costume. Haïti sont blâmés, tout le monde connaît le monde. Yon konn lòt. Sa pa konnen m konnen, sa m konnen pa konnen, yon ap komplete lòt. OK, maintenant. An nou gade yon lòt aspe nan konjonktuè lan pi a eksperyans piske che n ap pale. Alors, avan ale nan lòt aspe nan konjonktuè lan, m te komanse interview pou m prezante sympati mwen bay moun ka viktim de zak terorist sa yo et pi pou nou di jan nou solide avèk yo. Et puis question, c'était police qui t'a fait effort et dans la Tibonite, il y a un pile bandit qui tombé. Je pas connaît tout si c'est parce que les bandits et la police a tué bandit ou bien population a tué bandit, ça a dérangé porte-parole la police parce que pas entendu sur ça et la police a pas communiqué. Est-ce que ça a dérangé yo? Est-ce non, que on t'a parlé avec le matin sur ça? Est-ce que ça dérange ou pas communiquer assez? Et bon, surtout la police a intervenu et la caille chef terroriste là, et nous pas attendre et porte-parole là et parler. Est-ce que ça dérange ou? C'est une question posée. Et pour information, moi dit, est-ce que ça dérange? Ouais. Et maintenant, dans la zone métropolitaine, là, j'en dis là que la police là, et alors, ça a gagné 2 semaines depuis. Et force et depuis Kenya yo il y a monté tantio et dans inspection générale la police et puis et gagné des interventions qui étaient faites hier dans base et disons dans zone et Solino on capable de dire toute intervention la police a fait et depuis plusieurs semaines depuis particulièrement les 11 novembre et les 8 novembre, les Gérald Gilles et Tépran Dixon et Horace Livrelal et rencontre un paquet de chefs gang dans la zone métropolitaine à partir des téléphones Dixon Horace. Eh bien, Gérald Gilles parlait avec chef gang Sayo, on a parlé les 8 novembre, depuis les 11, et terroristes Sayo commencé à attaquer, ils ont tiré sur 4 avions. Je pense que si la police judiciaire a fait travail avec le commissaire gouvernement, ils ont été doués et interpellés Gérald Gilles pour qu'on ait qui s'alta discuter avec chef gang Sayo, et puis tout sous assassinat, exécution, et Dixon Horace qui fait et joue et lundi 18 novembre 2024. Là, et Jean Magali habitant de Nocéni, il faut que j'ai agi d'avoir l'explication sur l'assassinat et Dixon. Et bien, intervention de la police a fait, nous plus souhaitons c'est défendre, mais pas de travail et prévention. Nous, je ne dis pas, nous voyons que nous n'avons pas les territoires perdus sous Ariel et sous Gary Conny et avec sous leadership directeur général de la police là, il y a plus de territoires perdus. Ouais, et qui donc nous plus constater que c'est défendre, mais il n'y a pas fait travail et prévention. Nous pas considérer ça et que la police a développé une stratégie de laisser défendre. Il faut qu'ils soient capables d'intervenir et tuer bandits de bien tirer avec la police. Ou bien si ils déposent des armes, ils mettent ou neutraliser ou contrôler, mettez dans la prison. Et donc, défensant, ce n'est pas bon. Et défensant, ça, c'est une stratégie. Il faut que la police lui-même soit capable de faire et travail et prévention. C'est ça que nous dit. Contrôle territoire perdu. Bien sûr, il faut qu'ils reprennent nous et il faut parler de notre territoire perdu encore. Et il y a trop qui perdu. Et parce que sous Ariel Henry, et nous disons que nous contrôlons la zone métropolitaine à 80%. Mais je dis à c'est 95-96. Nous presque pas l'étranger encore. Dans deux là, la contre interview là, pas de gang, tout côté, tout côté. Donc il faut que la police ait reprendre les territoires et il faut, j'aimerais dire, depuis bandits à tirer avec nous, pas aucune considération.
figuration avec eux, tout yo. Mais les neutraliser yo, mettez yo dans prison. Chaque fois la police là. La police a conjoint tout open contrôle zone pénitentiaire nationale là pour faire fonctionner parce que bâtiment toujours là. Oui. Et puis prison quoi des bouquets à tout, bâtiment toujours là. Et même bagaille. Donc nous propre territoire perdu et faut police a défense ça oui, mais faut travail prévention et les fait et puis faut qu'ils récupèrent et territoire perdu. Nous face à en gouvernance qui gagne un CPT 9 membres, il y a un nouveau et gouvernement, il y a des efforts qui doivent être faits, il y a des accompagnements qui doivent bailler à un niveau bien à un autre. Et je trouve que le n'a pas gardé façon que le gouvernement n'a pas avancé. CPT en peut-être pas et les pratiquement et bancal parce que les gagnants trois dans mon bleu qui impliqué dans scandale et corruption aux côtés de ancien président et administration Banque Nationale Crédit et qui fait que bah elle a gagné des tournures qu'on prend je dis en là par exemple gagne un juge Benjamin Félix Lee qui a instruit affaire là qui mettait des mandats de comparution derrière et trois et CPO et matin la même lui Gérald Gilles comme et un CP qui est impliqué dans et scandale si là tu as supposé aller devant juge là mais et avocat cap défendre lui récusé et d'Acadi tout juge d'instruction dans tribunal première instance c'est Port-au-Prince. On va regarder et dossier ça Pierre Espérance. D'abord, juge cap travail sur dossier a mis ton mandat de comparution. Qui ça veut dire pour vous-même qui a pas apprécié le dossier hein? Est-ce que justice là, ils font bol, on l'a dit, et dans le cas ça. Faut que moi, dit tout, non, pas les appuis sur question et travail et la police là, dans la bataille contre les terroristes, dans la bataille contre la gangsterisation du pays. Mais faut que moi, dit tout, la justice haïtienne, non? Jouer un rôle extrêmement important dans la gangsterisation du pays, dans l'impunité avec la corruption dans le pays. Et messieurs, et population haïtienne, tout le monde a écouté l'émission ça. Nous, ça a passé en d'un pays depuis 2018. Les Haïtiens ont découvert le régime PHTK. Voler l'argent pétro-caribéa qui c'est le plus gros crime financier qui fait en Haïti, eh bien c'est comme ça, au lieu que l'administration Jovenel Moïse laisse mobiliser acteurs dans la chaîne pénale là pour limiter fait sur pétro-caribé, eh bien yo armé gang yo pour bailler et l'autre préoccupation à la population, il va où ça gagne jeudi. Sorti 2018, massacre à Saline, tout l'autre massacre qui fait dans le pays, kidnapping, viol collectif, pas la police là, la police judiciaire, et monté à pile dossier, yo arrêté bandit et kidnappé, etc. Eh bien, bandit ça yo, les arrivé particulièrement dans deux juridictions ça yo. Juridiction Croix-des-Bouquets avec Port-au-Prince. Les arrivé dans la juridiction ça yo, et ou jouen commissaire gouvernement ou bien substitut libéré yo, ou bien doyen, voyez dossier ya, mais vous bail des juges de l'équipe. Eh bien, ça yo fait, yo prend l'argent. Non mais mon yo, libéré bandit. Donc c'est pour montrer que si pas grand rien que fait dans la justice là, si et mini justice ça qui là connu là, pas fait rien au niveau des parquets et pas commencer des s'il pas commencer avec des vetting et renvoyer si là qui pas bon, qui gagne gros dossier sur yo, eh bien et travail la police pour faire s'il avait mis et si a été passé à chaque fois à gagne fort qui fait de côté la police, eh bien et ou a pour que mon yo libéré sans aucune forme et procès. Maintenant, sous dossier trois membres conseil présidentiel là qui impliqué jusqu'au coup dans corruption et en pile mon appel. Allô difficulté de communication encore une fois que nous
perdu contact avec Pierre Espérance le temps que nous rétablis ce contact là, puisque là nous avons un dossier trois conseillers présidents qui éclaboussent dans le corruption que nous rétablissons. Yes. Oui, Pierre, et communication tout court. Avec tous les autres puissants, on va venir nous parler qu'on aborder le dossier ça, moi du coupé. Monsieur dit tant pis, hein. Oui. Alors, je dis dossier BNCA, c'est dernier bout de bloc qu'on va se gras parce que il y a plusieurs autres dossiers et moi espérer que ILCC a complété enquête là, complété dossier. Avec de l'autre monde dans l'administration publique là, et directeur général dans l'administration autonome d'État, et d'autres monde que Gilles et l'autre côté qu'on a nommé, soit pour une ministre ou bien une directeur général, et m'espérer que l'enquête ISCCO, il y a une information, il va attendre des mondes et victimes. Et pour être capable de compléter l'enquête. Non, c'est à l'heure. Pierre, faut citer. Oui. Sous dossier, ça, on parle là. Plusieurs autres directeurs généraux, de monde qui est dans CPT, prend comme nom. Et vous espérez que l'ULCC est à l'enquête sur. Est-ce que c'est des dossiers que vous-même vous portez devant l'ULCC comme citoyen? Ou bien est-ce que c'est. Ou bien un DDH porté devant l'ULCC? Ou bien est-ce que c'est des accusations que vous faites pour qu'on gagne un suivi qui fait dans l'enquête? Non, pas faire accusation, non. Je n'ai pas d'informations sur des gens qui sont victimes, qui pourraient pour témoigner et gagner des gens, des citoyens, des gens qui connaissent les dossiers et victimes et tout. Et même à nous-mêmes, nous partageons ça nous avec l'IFCC. Et ISCC gagne un améo, c'est ça que moi dit, et moi espérer que ISCC a complété l'enquête là. Et c'est ça. Oui. Okay. Oui, alors ça va me dire, monsieur Sayo, et yo sale image et la présidence, et yo constitue un véritable obstacle et un cancer et pour et transition. Hein? Et faut qu'il y aura les coréaux, parce qu'il y a là, à partir de yon, et accord 3 avril 2024, qui chita sous réduction compte et transparence, lutte contre corruption et renforcement institution créée de l'État et gouvernance et état de droit. Et là, quoi, il dit clairement, si je ne suis pas trompé, alors, c'est pas quoi, non, il y a un décret qui est publié le 12 avril 2024 qui mettait et conseil ça avec tout le gouvernement campé et dans l'article de Alidi et un monde, depuis un monde fait objet de un scandale ou bien une poursuite judiciaire ou pas de faire partie du conseil présidentiel. Donc, ni va là pour ni leur entrée, ni pendant là. Et mais si ça a sali mal la présidence, et ils sont cancer pour transition, ils n'ont pas de route par bois, il faut qu'ils râlent les corps. Et m'a dit où, présent sur Jounen Jodia, li et constitué, présent sur Jounen Jodia, dans le conseil présidentiel là, et constitué un gros obstacle pour coopération internationale. Et c'est un gros problème pour Nations Unies, pour le conseil sécurité, et côté que normalement, et la présidence mandée pour transformer mission qui Nations Unies et force qu'il a à une force métier pour la paix, eh bien, ça, c'est un gros problème pour le Conseil de sécurité à côté que, et il y a des gros problèmes par rapport avec toi et même conseil présidentiel là qui est impliqué dans ce scandale ça. C'est un gros problème tout pour l'administration Biden là. Son problème pour Canada, pour Français, c'est même bagaille. Quelle que soit l'autorité, dans plus haut niveau, dans l'État, qui rencontre n'importe quel corps diplomatique là en Haïti, c'est même bagaille là, au dire de M. Sayo, d'Exayo, et ils ont constitué un obstacle pour réussir et transition et
sécurité avec le gouvernement n'est pas capable de faire travail et avec sécurité. Et c'est même bagaille tout pour la majorité de la population haïtienne qui est par exemple que le monde dans la présidence est arrivé et dans le niveau ça. Donc, monsieur, ils n'ont pas capable de revendiquer un bagaille que vous n'avez pas. Et vous êtes venu là, vous êtes connu que vous n'avez pas parlement, il n'y a pas qu'à parler de haute cour de justice dans une situation et spéciale. Et côté que eux-mêmes, ils ont fait des bagailles qui passent, qu'on n'y a pas capable de faire promotion pour et corruption pour question d'impunité. Ils n'ont pas doué et rentrer dans ce scandale. Ça, ils n'ont pas doué, ils n'ont pas doué côté eux, ils n'ont pas dit ou pas boire, fuck you. Et là, l'école, et nous féliciter Gilles et pour courager et appliquer la loi. Côté que nous t'es invité au premier, il va venir, il fait un mandat et une comparution. Et bien, il n'a pas appliqué et ça, la loi dit. Moi, je pense que c'est ça qui est plus facile là, c'est pour faire. Il est capable de faire. S'il veut, s'il décède un mandat d'amener, et bien, c'est facile parce que il y a facile pour venir puisque M. Sao, c'est la police qui a la sécurité et la police. C'est aussi bien et la justice. J'ai là, continue à faire travail et pas prendre pression, faire travail et respecter la loi. Ça, toi, monsieur, ça a fait, il l'aide et il faut que vous payez pour ça. Et d'ailleurs, si vous avez Gilles, Gérald Gilles, docteur Gérald Gilles, moi-même, je vous dis des fois, est-ce que son balai, il est encore mieux, je me demande si c'est pour Tibine qui est encore Gilles. Parce que je ne comprends pas. Pendant qu'il y a un scandale, ça, il y a un scandale et Dixon de l'Ouest. Ouais, et au songer, nous avons dit ça, si je ne me trompe pas, avant, et si c'était oui, avant, et monter du rapport, côté que le 8 novembre, et Gérald Gilles a engagé Dixon de l'Ouest, l'homme dit Dixon de l'Ouest, pensez qu'on peut nous voir qui est en parler. Dixon de l'Ouest, c'était un militant petit de Saline. Et après, si je ne me trompe pas, il a formé le parti politique Paris. Et puis, le 8 novembre, alors, monsieur sorti Dame Marie. Et d'après, j'aime comprendre, monsieur était candidat pour député pour Dame Marie. Il était pas le candidat. Le 8 novembre, et Gilles engage Rémi pour la rencontrer plusieurs chefs et terroristes dans la zone métropolitaine. Là. Et à partir des téléphones et Dixon, Gilles parlait avec Monsaro et chef et Théorie Sayo. Et bien, trois jours après, tout le monde a arrivé avec Théorie Sayo. Ils ont commencé à théoriser le pays, ils ont tiré sur quatre avions. Et puis, et pas d'une semaine, et une semaine après, soit le 18 et novembre, et ils ont exécuté Dixon de l'Ouest. Malgré les habitants qui sont proches de Gérald Gilles, et qui ont une relation à Mounsao, tout. Et puis, ils ont déjà fait interview avec nous, j'aime comprendre, dans la radio ça qui expliquait que c'était Gilles qui était engagé et Dixon de l'Ouest. Donc, mais, et CPTA, pas jamais, le cadre même CPTA, pas impliqué dans ce scandale, ça, il a fait une solidarité dans les mal, il n'a pas jamais pris une résolution pour décider que le pape est chita avec Nexaro. Est-ce qu'il n'a pris une prérogative? Est-ce qu'il n'a pris une prérogative, bien respiré? Est-ce qu'il prend une résolution pour dire que le chita s'en va avec vous? Ah, très bien. Mais il n'a pas une prérogative, et monsieur Sao, tout pour, et il va n'a encore, et encore, et qui a été signé, et encore avril 2024, là, il n'a pas n'a, il n'a pas n'a, et arrêté et décret qui était sorti dans le moniteur, le journal officiel. Amis, famille, Anoué Lacayo, donc nous sortons des déclarations Pierre Espérance hier, donc il m'a dit peuple qu'on y a là pour manger yo, donc pour que yo agit, il pas d'accord bois calia non, il pas d'accord bois calia, mais les peuples coupé tête bandi voyo aller qui ça fait, on parler de bois calin fait, pas vrai? Faut dire misère penser dans commentaire en bas vidéo. Donc nous te promettons que plusieurs militants politiques étaient débarqués devant Primature Lan, étaient bloqués Primature Lan aujourd'hui en là qui m'a dit avec Didier et Fizeme pour que li donc agit pour lui agit contre la violence en gang yo et bien pour camper tout sur politique tizanmi qui a fait en et bureau l'état dans boîte l'état donc entendez
en garder comment ça t'est en ouais la caille était présent pendant que vous regardez pas oublier commenter abonner avec channel ça pour pas rater vidéo à chaque fois que nous poster en suivre si DGI pas bon directeur qui reflète réalité nation si Fayez pas bon directeur qui reflète réalité peuple là si on a l'autre directeur général Capilio, il n'a pas reflété la réalité du peuple là, et même je t'en fais gâter. Et nous comprenons que je t'en fais jouer là. Je dis à tout le monde, il y a maintenant le gouvernement, ce n'est pas qu'il y a des étrangers, ce n'est pas qu'il y a des agents, ce n'est pas qu'il y a des gens. Et depuis que nous connaissons le monde, vous comprenez que vous faites un bon façon, je ne parle pas de quelqu'un qui a monté là, pour militants, pour ta cabelle, pour leader, pour le bataille dans le pays, pour ta cabelle. Et bien nous disons, c'est bien compté, mal calculé. C'est bien compté, mal calculé. La guerre avertie, patrouille Fokobe, mais Fokobe apparaît d'elle. Merci, c'était David Sondéis, président Genève. Là. Merci la presse. Alors, nous allons dire poste Mério pour changer toutes les cartes Mério. Est-ce que vous avez tout intéressé à quelques minutes? Oh, tout le monde connaît net pays à connaître. Peuple Allah connaît un membre dans Mério pour Brice. Qui c'est Jonel Joseph. En tout dans. Tout côté net pour changer dans. Et nous avons bataille pour nous intégrer dans l'État. Depuis ça va faire. Cacavo et Nabé. C'est général de changer. Alors, citoyens choisis pour dire que DGIA, nous disons qu'il y a impliqué dans les affaires de corruption. Nous connaissons trois membres dans le conseil présidentiel avec qui nous aussi dans le scandale corruption. Regardez, Bambo, on a une question. On est qui impliqué dans le DGI qui est dans le et je dis à côté que vous regardez l'origine de PHTK. Qui a un dossier sous trois conseillers. C'est diversion d'information qui a fait. C'est un scandale. Pour qui ça directe BNC à Namaron? Pour qui ça le Namaron? Mais jusqu'à présent, il y a un conseiller présidentiel qui va décider avec une question de juge. Question qui ça? Pas de juge qui a des compétences pour tendre des présidents, non? Juge qui n'a pas de compétences pour tendre des présidents, non? Ou qui a un président écrit des fois? Ou président pas écrit des fois? Est-ce que c'est le président qui constitue selon vous-même? Ah, Zami Mbom Djoumagay, où est-ce que Abdi Yola? M'a connaît. Je ne sais pas. Parce que je dis à nous-mêmes comme journalistes, on nous garde, on nous garde côté APCA et sous nos peuples là. Parlez de Solino, de Belin, parlez de sécurité, élection dans le pays. Mandez-moi pour qui ça n'a pas débloqué. Mandez-moi pour qui ça n'a pas débloqué. Mandez-moi, je dis toujours nous ça.
Nous avons posé une question. Mais posez une question qui est clé pour que tout le monde sache son jeu. Je vais défendre nous-mêmes. Je défendre nous-mêmes. Je vais défendre nous-mêmes. Je vais défendre nous-mêmes. Je vais défendre sécurité élection, demander CPTA pour tant responsabilité, changer toute direction. Parce que nous connaissons très bien ce PHTK là-dedans. Si on va dans le complot avec PHTK, il faut changer de direction pour qu'elle prenne bien dans mon pays. On va dans le PHTK, pas dire ça. Moi-même, je suis dans le PHTK. Parce que vous dites que je suis dans le PHTK. Je suis dans le PHTK, vous connaissez la valasse, et petite Dessalines, plateforme politique parce qu'elle a fait. Hein? Oui, je suis pouvoir. Ça, c'est épée. Ou elle, ou bien qu'on est. Ça, est mes zibouda negio. Depuis que c'est pas responsable. Tout le monde net. Là, d'accord. Belle question. Mais si vous avez pouvoir, et peut-être ça, je dis. Negio. Non, pas dit bagaille, faut respecter ça. Où est qui ça là? Où est ça? Ça c'est sang. Ça c'est couleur, ça est sang lié. Respectez ça. Ça grand monde. Vous connaissez le grand monde? Allez, répondez à belle question. Oui, c'est peut-être ça, je dis. Nous avons supporté, nous pouvoir, peut-être que nous-mêmes pour nous là, nous-mêmes comme journalistes, bataille nous connaît que nous faisons, dans le 29 mars. Je dis, pour cette continuité, PHTK qui a fait, je dis à monsieur Yogi, oui, moi là, non, CPTA, pas de aucun changement. Ça veut dire, vous échouez. Hein? Vous échouez. Si mais, plusieurs mois dans notre pays, peuple a échoué. Je dis à résultat, est zéro lieu. Et peut-être ça, nous demandons. Vous avez l'installation design. Je vais dans l'installation, c'est ça que je vais dans l'installation pour me garder les gens dans le jeu pour eux. Parce que, ouais, tout ça que, qui fait, des dons, ils comptent tout. Et peut-être ça, nous demandons des changements. Pressé, merci la presse. Qui a 4 ans en dedans des jeux, qui a démêlé avec l'INCC, qui dans la justice, pour CPT ça, pour le prendre, pour la mettre dans la tête des jeux, une direction qui est tellement sensible, pour nous avoir une équipe comme juriste, comme juriste, pour nous prendre, pour la mettre dans la tête des jeux. Nous-mêmes, nous avons accompagné Grévis des jeux qui dit non, je ne mets pas pour ça, il y a bataille, parce que je veux. Boîte ça, faut le dire, faut que nous honnête, mais il va démêler avec la justice. Et puis là, ça nous-mêmes, nous allons faire une bataille pour nous voir comment on a fait. Le signal clair, nous voyons par CTP ça. 7 têtes, ma connaît 9 têtes, 9 membres. Et quand pile là-dedans, vous connaissez. C'est vos machines, nous venons les portes-portes, faites tes sous deux malheurs et malheureuses. Pendant ce temps, Pepsoli a dormi à la belle étoile. Nous même dans le petit rebelle, nous tout dit ça. Tout rebelle, il y a là. On a dit là. Tout le monde a là. Et son lieu à terre. Et nous qui sommes. Les soldats nous ont nous-mêmes, nous devons nous battre dans le monde avec eux. Et je vous dis à la nous-mêmes, nous campions. Nous avons espace ça. Et social, quand même, va être démasqué. On t'y arrête. Arrêtez ça. Nous pas reconnaître, monsieur. Dans tête de jeu. Une autre fois, nous sommes dénoncés. Fritz, nous tous, une fois, si nous rebelles, nous ne pouvons pas nous battre. Et nous dans son lit, nous sommes sortis. Nous sommes dans son lit, nous faisons 19 points dans le boulot. Et mes journées, je dis à nous-mêmes, nous prenons responsabilité. Qu'on ne peut pas mal dans cette administration. Pressé, changement dans toute administration publique. Mais yo, moun qui dit, moun qui honnête, qui parle de mêler avec la justice. On a oublié de mêler à la justice, ou t'en as oublié pour la justice. Quelle justice prend responsabilité? Ministre Carlos Tranquille, prend responsabilité. Et m'balé. Dis-moi, ben qui placé? Tout placé, c'est démasqué lié. Et non, Ministre Ramos, on a oublié la Kaili. Faut dire la Kaili. Non, Ministre Ramos, nous avons fait quoi fait? Et il faut à nous-mêmes nous accompagner. Nous avons dit. Nous avons dit. ONG, ça va pas manger du justice. Qui vient faire quoi en un pays? Qui vient faire quoi? Qui va venir demander les valeurs? Pas grand rien fini. Mais nous-mêmes nous disons ça. Pressé. Changement dans toute administration publique.
Pèl sa, nou men avon radisyon, ki an nan rejistans pou Haiti, fos kanapè vè rejistans pou Haiti, kripèp, tim rebel, el atriye, nou di negyo, nou vin plante piket la. Nou vin plante piket la, se pou fwa. Se la permanans, nou pral dekrete devon la, jiska skè negyo prèlèman, yon retoune sou dosye, Romial Petit, ki son negyo kaval, pasè employe de GED, yon pa bezou Romial, pasè Romial bon fiskalis, Romial, se yon negyo, qui en cavale, li pa kavre tête de GI. Et n'a demandé nèg yo. Nou di yo, Noël la pa privé, comme tout Noël pa vini, mais pou nèg yo pa changé, tout direction général yo. Et c'est à partir de direction général yo, jodi a jeune cadio, pa jeune intégration. Et nous prenons toute possibilité pour nèg yo, David, prend un quelques moun qui sorti de l'autre côté, si boubout yo, si ménage yo, pour yo vini dans direction général yo. Parce que c'est la raison qui fait nous la jodi a là, nous décrété sitting ça, nous pral être allé là, en pile moun pral vini. Pour nous démarrer tout au premier sitting là, et m'a dit c'est tout au premier, mais c'est pas plus au dernier, parce que tout autant, n'est-ce pas changer de direction générale, pour permettre l'intégration, jeune cadio, tout autant, n'est-ce pas tourner sous décision, quand on choisit Romial Petit, comme on est en cavale, nous dit nous-mêmes, organisation de base, avant-gardiste, nous dit que, n'apprêtez là, si Leslie Walter, si Fritz Jean, si Dr. Louis Giragil, si Smith Augustin, si Emmanuel Ventile, capable d'arrêter nous. Yo capable tuer nous, Yafel, comme PHTK, pas tuer nous pendant toute bataille. Mais je veux dire, nous lançons cette bataille là contre l'équipe pas nous. L'équipe que nous choisissons, nous boumets, nous mettons là. Merci beaucoup. Ça y est, la presse parler, télévision et médias en ligne. Je dis à la nous-mêmes, en tant que militants de base qui boumets dans tout le pays, nous-mêmes nous disons, nous allons d'accord ça qui a passé dans DGI. DGI qui c'est direction générale pour le pays. Nous considérons que le KPT a un qui s'est pris de gens, qui a fait un grand administratif qui est ancien, qui est ancien gouverneur pour le pays, qui a volé tout sa vie, qui a volé l'eau. Je ne dis pas qu'il y a un camp en holocauste. Pour lui dire que ça m'a mis pour le pays. Nous-mêmes, pour DGI, nous souhaitons que les gens qui venir, pour les gens qui veulent venir, qui sont technocrates, pour les gens qui ont 32 ans, pour les gens qui ont des capacités, pour les gens qui ont des capacités qui ont géré DGI, parce que DGI, c'est pour moi, pays d'Haïti. Nous disons non avec toute communauté qui est sortie pour casser des GI. C'est un homme émotique ça. Nous disons, messieurs, dames, capitez-vous, ressaisissez avec ça après droits humains. Parce que nous-mêmes, nous capitez-vous, mettez-vous des enjeux. Nous disons non avec la jeunesse. Parce que la jeunesse, pas pour remettre sur ça, nous disons CBTA. Si CBTA va ressaisir, nous-mêmes, la jeunesse, nous disons tête droite, nous allons cassation, nous allons craser bagage ça. Parce que, nous ne pouvons pas violer les lois, nous ne pouvons pas violer les droits au monde. On est cette lui-même lui là pour faire respecter droit à monde. Parce que mettre Gédéon, je sais un monde qui est honnête, qui œuvre. Ce jeune garçon nous dit non. Côte d'État, la jeunesse ça. Merci à vous.